Erkam Publication présente Mohammed Mustafa, le caractère unique de sa personnalité. Écrit par Osman Nouri Topbash, lu par Hicham Ismaili. Préface. Louange à Allah, le Très-Haut, qui nous a gratifiés et guidés dans la voie de l'islam, qui nous a accordé la sérénité de la foi. Que la paix soit sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, appelé à guider l'humanité des ténèbres à la lumière. Grâce au caractère unique de sa personnalité, dans un chemin de gloire permanente, avec cohérence et équilibre, il est parvenu à transmettre à l'humanité la clarté que représente le soleil de l'islam. Que la paix soit sur notre cher prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur l'a envoyé comme prophète dans une période où l'humanité était en pleine crise, où le monde était oppressé par la persécution due à l'ignorance. Il a initié de nouveau le phénix de la clarté lunaire, ainsi que celui d'innombrables étoiles qui en avaient bénéficié auparavant. Allah l'a envoyé comme une étoile lumineuse, provenant d'un immense horizon, dans un monde où l'ostracisme, la révolte et l'inadvertance avaient bâti des sociétés enténébrées. En d'autres termes, Allah l'a envoyé comme bénédiction pour tous les êtres vivants. Les pierres, l'espace, la terre, les cieux et la postérité humaine. Il le chargea de caractéristiques et de fonctions telles que la miséricorde, la bénédiction, la charité et la délivrance. Il est tellement miséricordieux que chaque être fut créé en son honneur pour vivre proportionnellement selon son droit d'affection. Il est tellement miséricordieux qu'il englobe la clémence et la charité de l'humanité et même de toute créature. Il est tellement miséricordieux qu'il fut doté par le Seigneur d'une intelligence et d'une affection religieuse absolument unique, provenant d'une source intarissable. Il est tellement miséricordieux qu'il fut éternellement honoré par le Coran pour guide spirituel. Il est tellement miséricordieux qu'il fut le messager le plus évoqué, en raison de son amour pour Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est tellement miséricordieux que s'il n'avait pas existé, tous les mondes se seraient transformés en déserts inhabitables. Il est tellement miséricordieux qu'au début de la création, l'essence de l'être humain fut retrouvée grâce à sa lumière. Il est tellement miséricordieux que toute œuvre de charité commise était la sienne. Son visage a été créé d'une eau de joie. Dans le monde, aucune fleur ne peut s'ouvrir sans sa lumière, car aucune création ne serait découverte sans elle. C'est à cause de lui que nous existons, que nos jours se renouvellent sans défraîchir, et qui consiste à augmenter cette lumière qui conduit à Allah. Il est tellement miséricordieux qu'Allah Ta'ala révèle personnellement sa valeur et sa destinée, et en le louant également. Ainsi donc, tous les univers placés sous cette exceptionnelle miséricorde ont atteint le véritable bonheur. Dans les galeries de l'ignorance, là où sévissaient les flammes de la révolte, qui furent accompagnés par tous les actes défavorables à l'existence humaine, par l'entremise de l'ouverture des différents centres religieux liés au savoir réel, l'inspiration à une vie agréable commença à voir le jour. Les consciences aussi dures que la pierre, entre ses mains bénies, se transformèrent en pâte. Les cœurs pétris, dans la rouille et la souillure, se métamorphosèrent en foyers remplis de clarté et d'amour. Ainsi, par exemple, avant que ne survienne cette période lumineuse, Habasli était un homme particulièrement sauvage et féroce, qui buvait du sang. Il était doué en outre d'un esprit monstrueux et singulièrement barbare. Mais après s'être livré à la bonne éducation, il devint un fameux compagnon, Sahaba, du prophète. Durant cette période obscure, un très grand nombre d'individus, comme lui, étaient spirituellement morts. Mais par la suite, lorsque la lumière fut venue, ils s'y inspirèrent tous et devinrent de manière permanente d'illustres compagnons.
Tous ces cas de figure montrent que notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, constitue en lui-même un art religieux magnifique qui symbolise l'existence d'Allah. À partir du zahir, apparent, et du batn, caché, toute chose est restée identique dans chaque situation. Il fut du reste excellent, bienfaisant et le plus aimé d'entre les hommes. Il fut tellement apprécié que chacune de ses réalités caractéristiques, que sont les croyants bienfaiteurs, al-mu'min, les personnes saintes, les prévoyants, al-wali, les savants et les empereurs, ne se conformèrent qu'à son exemple. Il est le plus clair exemple. Il est un clair de lune dérivant du soleil, puisqu'il est miséricordieux et bienfaisant. Il est un don pour tous les univers. Tout ce qui est développé de notre part à son égard s'articule avec l'intention de se rattacher à Allah et de l'adorer dans toutes les dimensions de notre foi. Notre Seigneur, Allah Ta'ala, déclare à propos de cette réalité. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Comme le souligne ce verset coranique, c'est la réalité montrant que le serviteur qui possède la foi en Allah ne peut être dépourvu de respect et de tolérance. L'amour exclusif en Allah, c'est d'obéir à son messager, d'être lié à lui telle la phalène qui se joint à la source de la lumière. Dans le cas contraire, la foi ne peut être la foi. À l'égard de cela, nul serviteur ne pourra bénéficier de l'amour d'Allah en dehors de ce moyen. Tout ce que le serviteur entreprendra sans affectionner Allah sera invalidé. Pour ce fait, le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, doit être au centre de notre vie quotidienne et de notre affection. Notre caractère doit être bâti en s'inspirant du caractère unique de sa personnalité. C'est pour cela que notre nécessité première est de le connaître intimement, de le percevoir de près, jusqu'à son soupir, jusqu'à ce que notre pouls soit uni à son cœur. À l'exemple de Ashab Kiram, les compagnons, envers le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Connaissant notre incapacité d'atteindre son niveau de dignité, même si cela nous semble irréalisable ou encore par extension impossible, rien que le fait de demeurer sur son chemin est une propriété particulièrement éminente. C'est à l'égard de sa personnalité hautement exemplaire que nous nous donnons la tâche de mettre à disposition cet ouvrage pour permettre de le connaître davantage. Dans nos ouvrages précédents, nous avions eu l'occasion d'évoquer la personnalité éminente et singulière du prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Peut-être que nos propos furent indignes de lui et que cependant nous demeurons dans l'exigence de le remercier pour nous avoir transmis la religion et d'être reconnaissants envers lui en relatant son exemple et en le vivant. Dans cet univers que sa bénédiction et son bonheur enveloppent, notre devoir est de constituer, de par notre capacité partielle, un pont qui conduit au-delà de ce monde débordé de nouvelles crises. Notre dette vis-à-vis de l'humanité est de faire connaître, assidûment et avec passion, la manière dont il pratiquait ses adorations. C'est aussi pour nous un immense honneur de pouvoir le décrire de la meilleure manière. Le poète a décrit cette joie en ces termes. Plus limpide que le jour, plus véridique encore, le flot de sa main est l'eau la plus délicieuse. Il est l'être le plus béni, le plus authentique, le plus pur. Ô Allah, tu es son Seigneur, purifie nos paroles. Puisse notre Seigneur Allah Ta'ala orienter nos paroles du caractère unique et de sa personnalité. Puisse nos affections faire de lui un palais d'amour. Puisse-t-il nous accorder la victoire dans toutes les épreuves corrélatives à notre soumission à lui. Puisse-t-il nous immerger d'une affection toute religieuse.